Bonjour, on est le 6 septembre 2018. Voilà, je vais voir tout simplement ce qu'on appelle les matrices. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Et bien démarrer au niveau des compréhensions des matrices avant d'entamer, je veux dire, des propriétés bon, qui ont des allures de toutes sortes hein, et qui font en sorte qu'on puisse vite s'y perdre au niveau des propriétés des matrices, tellement, je veux dire, elles sont nombreuses au niveau des propriétés, ça c'est le 1. Au niveau des matrices et des déterminants des matrices aussi. Mais ici, je suis à la matrice, hein, pour le déterminant. J'ai expliqué ce que c'est que le déterminant en son temps. Mais ici, bon, je vais voir tout simplement ce que c'est qu'une matrice. Et savoir que, bon, elle a une structure un peu spéciale. Les matrices ont une structure un peu spéciale qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, contrairement, je veux dire, au nombre où on peut faire ce qu'on veut. Enfin, tant qu'on reste dans les lois des nombres, on peut faire ce qui est possible dans les lois des nombres. Par contre, pour les lois des matrices, je verrai qu'il y aura des petites restrictions au niveau des limitations au niveau des propriétés par rapport au nombre. Bon, et vous savez que les nombres, on peut les additionner, soustraire, les multiplier, les diviser. Et, hein, les matrices, ce sera un peu la même chose, mais il faudra faire attention à certaines choses, parce que ce ne sera pas toujours le cas. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que une matrice? Tout d'abord, une matrice, avant de penser matrice, il faut penser, bon, nombre, valeur. Bon, si je mets une valeur, un ensemble de valeurs, je vais mettre 5, 7, moins 7, moins 8, 3, 2, 9. Voilà, j'ai écrit des valeurs. J'aurais pu écrire ces valeurs-là comme ceci, 5, 7, moins 7, moins 8, 3, 2, 9. Bon, si j'écris ça, on pourrait penser, enfin, surtout si c'était positif, hein, 5, 7, 7, 8, 3, 2, 9, quelqu'un qui voit ça, ben, il est tenté de lire 5 778 329. Bon. C'est déjà une première confusion qu'on peut faire, alors que j'ai donné 9, 2, 3, 8, 7, 7, 5, et que leur ordre voilà, était donné. Donc certains auraient pu lire 5 778 329. Or, ce n'est pas le cas, j'ai donné 5, 7, 7, 8, 3, 2, 9. Bon, ici, on voit bien que ce sont des nombres différents. Pourquoi? Parce qu'il y a le moins qui interagit ici. Vraiment, si. Pour écrire un moins devant un. Pour avoir un nombre négatif, on écrit ceci, moins 529. Voilà. Donc, ceci ne porte pas confusion, parce que bon, on a mis des moins, on sait très bien que ce sont des valeurs distinctes. Bon, maintenant, comment peut-on les distinguer aussi? C'est en mettant un point-virgule. Voilà. Là, je distingue les nombres et je les sépare bien. Là, il y a bien une séparation. Bon, ici, quand je les écris à la verticale, il n'y a pas besoin de séparation, parce qu'on sait bien que, généralement, on écrit les nombres dans le sens horizontal. Mais bon, il se peut bon, dès le moment où on écrit des nombres en vertical, on voit bien qu'ils sont distincts. Parce que je ne peux pas les confondre avec un nombre qui serait, par exemple, 529. 500, 577 s'écrit à l'horizontale. Si j'écris en vertical, on sait bien que c'est tous des nombres différents. Des nombres différents. Voilà, sachant ceci, ce qui veut dire que là, j'ai plus besoin de point-virgule. Je ne vais pas séparer par un point-virgule comme ceci. Il n'y a aucun sens à écrire ceci, parce qu'on sait bien que c'est une écriture verticale et que ça concerne tous des nombres différents. Voilà. Maintenant, j'aurais pu écrire 5, 7, 7, moins 7, moins 8, 3, 2, 9. Bon. Oui. Cette écriture-là, et voilà, mais vous voyez que si vous écrivez ça dans une page, vous perdez cette partie de page-là et cette partie de page-là. Donc là, l'écriture, elle prend de la place. On va dire ça comme ça. Maintenant, celui-ci, vous allez me dire, on perd la place. Mais non, parce que je peux mettre une colonne et représenter des autres nombres sur le côté. Là, j'ai un gain de place. Voilà. Si je devais écrire des autres nombres, bien sûr. Oui. Voilà. Là, il n'y a aucune confusion. Je peux mettre des séparations qui sont si vous voulez, des colonnes comme ceci pour les séparer. Maintenant, si j'avais une écriture horizontale,
1, 2, 5, 7, 8, 9, j'arrive en bout de ligne, mais ce qui viendra à notre esprit pour écrire, c'est en dessous. Voilà. Alors, pour les séparer, on pourrait mettre ceci. Point virgule, comme je vous ai dit. Mais dans tous les cas de figure, on a qu'est-ce qu'on a? On a une écriture rectangulaire. C'est la meilleure des écritures, hein. La meilleure des écritures revient à une écriture rectangulaire. On ne va pas commencer à écrire des nombres sous forme circulaire, hein. 1, 2, 5, 7. Les gens ne vont pas commencer à retourner leur tête pour revoir. Donc, la meilleure des écritures, c'est voilà, la forme rectangulaire d'écriture. C'est la meilleure. Il n'y a pas autrement que l'écriture rectangulaire des nombres. Bon, l'informatique a pris bon, ce concept-là de rectangularité d'écriture. Et c'est pour ça que l'informatique utilise une mémoire rectangulaire, la segmentation rectangulaire, hein, bien sûr. Voilà. Alors, par exemple, ici, il y a un nombre, 2347, voilà, 8200, 8724 et 3255. Voilà. Voilà trois nombres dans la mémoire. Bon, mais l'informatique, il y a déjà un des premiers problèmes qui se posent, c'est que l'informatique, c'est un système de lecture-écriture. Bon, quand on écrit, bon, hein, si je dois aller placer un seau ou un pot à un emplacement, bon, je peux disposer les pots où je veux. On me dit d'aller disposer des pots dans un atelier, je peux les disposer où je veux. Et maintenant, pour une meilleure recherche, hein, je dois savoir où est le pot que j'ai disposé. Donc, je dois me faire des étages et classer par exemple les pots de peinture, les pots, voilà, et de faire un classement et de situer exactement le pot qu'on m'a demandé de classer pour aller le chercher à n'importe quel moment quand on va le demander, qu'on va pas le rechercher au moment opportun. Donc, il faut pas 10 heures pour aller chercher le pot dans tout un atelier. Non, le pot, je sais où est-ce que je l'ai placé. Donc, fatalement, le plot va être classé à un endroit bien précis, c'est-à-dire situé à un endroit bien précis où on saura aller chercher à n'importe quel moment. Eh bien, l'informatique, c'est pareil. Bon, quand on classe des nombres, on ne les classe pas tout azimut, n'importe où. Voilà, on les classe bien sûr à un endroit bien précis qu'on appelle une adresse précise. Voilà, on a une adresse, il y a un système d'adressage où on a un adressage unique, chaque élément. Un nombre est contenu à un endroit de la mémoire bien précis, donc à une adresse bien précise située en mémoire. Voilà. Donc, on a une écriture rectangulaire les nombres s'écrivent dans des zones rectangulaires à une adresse bien précise. Bon. Eh bien, ça, c'est pour permettre la recherche du nombre. Si je veux aller chercher le nombre 8724, mais il a une adresse bien précise, donc on sait aller chercher assez facilement pour pouvoir le traiter. Bon. Alors, si on prend ce concept-là, de situation de nombre, placement de nombre dans une situation bien précise pour aller le rechercher, ben, la meilleure des écritures, comme je vous ai dit, la première des écritures qui nous vient à l'esprit, c'est l'écriture rectangulaire. Voilà. Donc je dispose comme ceci un endroit qui doit être unique. Voilà. Celui-ci, 4500, peut-être négatif, hein. Voilà, 72. Voilà. J'ai un nombre de la réalité. J'ai un nombre de la réalité, c'est-à-dire un nombre réel. J'ai un nombre réel. Je dirais même ici, il est spécifique, il est entier. Entier, mais entier. Donc on a les nombres réels. Pourquoi réalité? Parce que ça, hein, ça se différencie par rapport aux nombres imaginaires. Il y a les nombres réels de la réalité et les nombres imaginaires de l'imagination. De l'imaginaire, tiré de l'imaginaire. Les nombres tirés de la réalité, les nombres tirés de l'imaginaire. Il y a deux types de nombres. Et dans les nombres réels, il y a tout un qui sont de type de la réalité. Dans, il y a tout un ensemble de nombres qui sont les nombres dans Z, voilà, dans les rationnels, dans les irrationnels, etc., etc. Voilà. Ici, dans mon tableau, je vais mettre un irrationnel. Ici, je vais mettre, je sais pas moi, une valeur trigonométrique d'un angle, voilà, cosinus pi. Et si j'entame un nouveau calcul en mettant par exemple moins 4 tiers, voilà, point virgule, 7341, point virgule, 3 racine 2 sur 4, voilà, point virgule, voilà. Et je vais mettre 12 moins 20 cinquième, 17, 17,
Bon, est-ce que je peux mettre un lapin? Non, ça c'est l'informatique qui permet ça. Qui permet de faire ça, c'est de mettre des images, hein, qui sont des pixels. Bon, voilà, c'est un traitement de données au travers des pixels qui va placer, je veux dire, au travers de la mémoire, bon, la forme d'un lapin au travers de pixels. Tout est calculé pour que les pixels soient situés à un endroit bien précis de l'écran, et donc il va dessiner un lapin. Ouais, donc en fait, en informatique, on peut avoir des. En gros, on peut traiter les images, traiter le son, les images, etc. Et mettre tout, je veux dire, tout ça dans un tableau. Les tableaux ne sont pas forcément que des nombres en informatique, puisque la mémoire est composée de tout et n'importe quoi. De nombres, voilà, de nombres qui peuvent représenter tout. Des datas, des données, et des pixels, etc. Et des positions, etc. Voilà, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, là, le fabricant permet de, je veux dire, d'introduire en mémoire informatique tout un ensemble d'éléments que le fabricant a décidé. Bon, si on veut, voilà, le fabricant il décide qu'on peut mettre ça en mémoire, ben, il y aura possibilité de mettre ça, mais pas en dehors de ce que le fabricant, je veux dire, a prévu. Voilà, donc voilà, le fabricant prévoit qu'on peut mettre voilà, dans les tableaux, enfin dans des zones rectangulaires, des données bien précises relatives à ce que le fabricant a prévu. Bon, en dehors de ça, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les limitations du fabricant. Bon, donc ici, moi, je ne peux pas mettre un lapin. Pourquoi? Parce qu'en fait, en mathématiques, on joue non pas avec des images et du son, mais on joue avec des nombres. Voilà, on joue avec des nombres. Voilà, donc moins 18 et 44. Voilà. Une des premières limitations qu'on en a ici, c'est que je ne connais pas sa situation comme en informatique, je connais l'adresse. En informatique, on peut connaître les adresses des éléments où ils se trouvent en mémoire. Bon, ben ici, le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'endroit. L'endroit, on ne le sait pas. Donc, comment situer les choses? Ben, on peut faire comme les suites. Hein. Dans la théorie des suites, on a U1 qui vaut par exemple 5, U2 égale 7, U3 égale 9. Voilà. Et les suites, il y a différents types de suites. Hein. Là, j'ai dessiné une suite quelconque. 5, 7, il n'y a pas de rapport entre 5, 7 et 7. Hein. Bon, je peux continuer comme ça. Jusque N, bien sûr. Bon, et là, j'ai mis n'importe quoi, c'est une suite quelconque. Bon, voilà. Donc, ça, c'est une première ma manière de présenter un nombre avec une situation. On sait bien que 7, c'est l'indice, c'est le contenu à l'indice 2. 7, c'est le 7 là. Ce 7 là, attention qu'il y en a deux, hein. C'est le contenu à l'indice 3. Pas confondre ce 7 là et ce 7 là. Il y en a un qui est à l'indice 2 et l'autre qui est à l'indice 3. Voilà. Ça, c'est une première cas de figure. Bon, mais en écrivant ça, on a une écriture, on aura U4 par exemple qui vaut 9, U5 qui vaut moins 12, etc. Etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on a une écriture linéaire. Ça ne m'arrange pas pour la situation. J'ai une écriture linéaire. Ah, bon, linéaire dans le sens où il faudrait écrire ça U5, U6, U7, U7. Voilà. Par contre, si je veux disposer ça sous forme de tableau, ben, on comprend tout de suite que. Non, on va pas mettre ça U1, ça U2, ça U3, ça U4, ça U5, ça U6, ça U7, ça U8, ça U9, ça U10. Oui, ils ont chacun une adresse, je veux dire, propre. Il y a pas un qui a une adresse les mêmes. Ils sont tous, on a toutes des valeurs dans une adresse, on va dire dans un indice. Oui, l'indice ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai démarré en 1, j'aurais pu démarrer en 0. Hein. Je pourrais prendre l'indice 0, 1, 2, 3, il n'y a pas de problème. Bon, mais l'indice, vous comprenez, ceci, c'est l'indice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien sûr, l'indice appartient au naturel. Ici, sauf 0, j'extrais le 0. Hein. C'est comme dans les suites, on extrait le 0. On peut mettre le 0, mais bon, je démarre en 1, pourquoi pas. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ici, on va profiter justement de l'écriture rectangulaire des nombres pour le mettre sous forme justement de tableau. De tableau. Et un tableau, généralement, on peut diviser en lignes et en colonnes. Hein, quand vous écrivez dans une feuille de papier, on a la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et fatalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut séparer en colonnes si on écrit sur des colonnes à côté. Donc en fait, la meilleure des dispositions possibles ici, c'est une forme tabulaire en ligne-colonne.
d'une colonne. Donc à ce moment-là, ça ne devient pas U1, 1, mais là, ça devient première ligne. Ici, on a les colonnes, hein, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Là, on aura la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Bon, là, on vient de former voilà, une disposition tabulaire de 4 colonnes et 3 lignes. Généralement, les Américains ou les Anglo-Saxons parlent en colonne-ligne. Bon, les francophones parlent plus en ligne-colonne. Bon, ils font l'inverse. Ils ont toujours fait l'inverse, les anglophones. Hein, ils roulent à gauche, on roule à droite. Bon, ils sortent de l'Europe, on est toujours dans l'Europe. Voilà, ils font toujours le contraire. Et voilà, il faut savoir que les normes des visseries, les pas, ils font des choses encore spécifiques. Les câblages de voitures au niveau des batteries, au niveau des câbles électriques, bon, le plus et le moins n'est pas forcément la masse chez nous, c'est le moins, alors que la masse, c'est le plus, hein. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà, donc il faut tout le contraire. Donc eux, ils s'expriment en colonne-ligne et nous, on va s'exprimer en ligne-colonne. Si on s'exprime en ligne-colonne, là, j'ai la première ligne, première colonne. Là, ça ne devient pas U2, ça ne devient plus U2, mais la première ligne, deuxième colonne. Là, la première ligne, troisième colonne. Première ligne, quatrième colonne. Deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, quatrième colonne, deuxième ligne, première ligne, troisième colonne, première ligne, deuxième ligne, non, ah, ça c'est la troisième ligne, je mets que c'est troisième ligne, première colonne, troisième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, troisième colonne, et troisième ligne, quatrième colonne, voilà. Là, c'est ce qu'on appelle un tableau rectangulaire. Bon, si je veux écrire les choses correctement, là, je peux écrire U11 égale U11 égale ceci. Donc, vous voyez que si je dis que à la première ligne, première colonne, contient le nombre 2472, bon, vous comprendrez qu'il n'y a qu'une seule possibilité de situation du nombre 2472. Voilà. Si je dis que moins 4 tiers, il n'y a qu'une seule possibilité de tout situer moins 4 tiers qui est à la deuxième ligne, première colonne, qui vaut moins 4 tiers. Alors, ici, maintenant, la seule possibilité que j'ai pour avoir le nombre que j'avais ici, je ne sais plus, je vais l'effacer, 25e, moins 25e, on va dire moins 25e, supposons que j'avais mis moins 25e ici, troisième ligne, première colonne, voilà la seule possibilité de situation de moins 25e. Il se trouve là et nulle part ailleurs, puisqu'il est en troisième ligne, première colonne. Il n'est pas là, il est là. Et ainsi de suite. Donc ici, je viens de définir ce qu'on appelle un tableau avec des situations où se trouvent des nombres. Là, le nombre moins 1457 se trouve à la première ligne, deuxième colonne. Voilà. Celui-ci, il se trouve à la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc la valeur 7340. Oui, on ne va pas parler d'images. Hein. Les images ou le son, ou peu importe ce qu'on veut, des lettres. Ouais, le tableau pourra contenir des lettres. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Des lettres, mais qui. Les lettres auront comme signification qu'ils représentent des valeurs. Je peux mettre lambda, mais lambda sera une valeur. Je peux mettre x, mais le x sera une valeur. Voilà. Pas confondre avec des lettres pures. Ah, là, à ce moment-là, on n'est plus dans le cadre des matrices en mathématiques. Les matrices en mathématiques, ce sont des tableaux de valeurs. On peut mettre des lettres, mais qui représentent des valeurs. Voilà, lambda, alpha, delta, etc., epsilon, voilà, ou A, B, C, D, ou voilà, soit des lettres grecques, des lettres latines, ce que vous voulez. Mais qui représentent des valeurs. Pas confondre avec des lettres pures. Hein. Là, ça n'a rien à faire en mathématiques, les lettres pures dans un tableau. Par contre, les lettres pures, vous pouvez avoir ça, je veux dire, en informatique. Hein. Si vous prenez par exemple le logiciel Excel, qui est une image de la mémoire, une image pure de la mémoire, ben, les cellules, tout est disposé en colonnes et en lignes dans Excel. Les cellules, c'est ceci. Voilà, vous êtes à la cellule, par exemple, deuxième colonne, deuxième ligne. Pourquoi j'ai dit deuxième colonne, deuxième ligne? Parce que c'est un logiciel anglophone. Donc, fatalement, ils parlent en colonne-ligne et non pas en ligne-colonne. Voilà. Donc, ici, 3, 2. Voilà. Là, on aura racine 2 qui est en position 1, 3. Là, position
2, 3 et en position, le moins 18 sera en position 3, 3. Voilà, vous voyez que je dispose des nombres dans n'importe quel type de nombre. Dans, bien sûr, j'aurais pu mettre ici x, hein, comme je vous ai dit. Voilà, ici, si je peux, en 2, 4, je mets x. Mais x appartient, je veux dire, à un ensemble, hein, par exemple, à un ensemble des réels, par exemple. Voilà. X représente un nombre. Voilà, je peux mettre x. Voilà. Donc ici, je peux mettre 1, ça c'est le 1, 4, égale cosinus pi, par exemple. U2, 4, c'est x. Et, par exemple, U3, 4, j'ai mis 44. Hein, U3, 4. U3, 4. Égale, par exemple, lambda. Et lambda, par exemple, appartient, à, je sais pas moi, au complexe. Un nombre complexe. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un tableau? Un tableau, c'est... on a répertorié dans un tableau, disposé sous forme de ligne-colonne, je veux dire à des positions bien précises, bien définies, puisqu'en fait, il n'y a aucune, on va dire, adresse les mêmes. Hein. Ici, on a l'adresse 1, 12. Si, hein, si je suis le facteur et que je dois aller poster, je veux dire, une lettre à une habitation, une résidence, un home, une industrie, une entreprise, peu importe. Il y a une adresse, ils ont tous une adresse. Tout est répertorié dans le monde, je veux dire, de civilisé, hein, le monde civilisé, qui est, peu importe quel il est. En fait, il y a des adresses postales. On sait bien que chaque individu habite à une adresse postale. Donc, quand je veux poster une lettre, je vais à cette adresse-là qui est unique, localisée dans, bien sûr, c'est unique avec, il y a une rue unique dans cette localité, hein. Il n'y a pas de même rue dans la même localité. On peut avoir la même rue, mais dans une autre localité. Mais une adresse, bien sûr, une adresse postale est définie par, je veux dire, logiquement, une commune. Une commune, et fatalement, la commune fait partie d'une province, une province, et d'un pays. Et donc, voilà, quand on dit telle commune, tel pays, ben voilà, cette commune, il n'y en a pas 56 000, voilà, elle est bien définie pour telle province, et pour telle, voilà, entité, telle région, et on sait bien où elle est. Et en plus de ça, si on me donne le numéro de rue dans cette... dans cette commune, mais je sais exactement où je dois les poster, surtout si je connais le numéro. Voilà, si je connais le numéro, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci de problème de postage, de lettres, je peux poster à l'endroit exact, puisque j'ai le numéro, l'adresse, la commune avec son, généralement, la commune, on lui attribue, comment est-ce qu'on appelle ça, un code postal, hein, un code postal. Voilà, comme ça, bon, si on ne sait pas lire la commune, il y a toujours le code postal, on peut toujours se débrouiller avec le code postal. Le code postal, la commune, la rue et le numéro de rue. Voilà, et grâce à ça, bien sûr, vous avez le nom de la personne et on peut savoir que j'ai posté au bon endroit. Mais ici, le numéro postal, si vous voulez, en quelque sorte, il joue le rôle d'indice. On a l'indice ici de ligne et l'indice de colonne. Voilà, IJ. Voilà, donc I. Ici, on n'a pas, comme dans les suites, on n'avait qu'un indice UI. On avait l'indice UI. I est un élément quelconque, II appartenant bien sûr à N0. Maintenant, on a deux indices. Pourquoi? Parce qu'on a un tableau à deux dimensions. Hein? Là, on avait un tableau linéaire, U1, U2, U3, U4. J'avais besoin que d'un seul indice. Maintenant, je suis dans un tableau rectangulaire à deux indices, avec des colonnes et des lignes. Donc là, voilà, fatalement. Il me faudra deux indices, i et j appartenant à n, et je choisis de ne pas prendre le 0 et de commencer en 1. Voilà. Donc, l'adresse postale, si vous voulez, l'adresse informatique, l'adresse postale est la zone où se trouve, je veux dire, l'élément à poster, ou si vous voulez, le récepteur. Il y a un émetteur qui est par exemple le postier, il y a un émetteur qui est par exemple je sais pas, un circuit électronique, et il y a enfin, il y a l'émetteur, oui, mais il y a le récepteur. Le récepteur, c'est celui qui va recevoir le courrier, ou celui qui va, c'est l'élément électronique qui va recevoir l'information par rapport à celui qui a envoyé l'information. Voilà. Donc, en fait, par contre, ici, il y a un élément de situation du nombre à un élément, à un endroit bien précis. Donc, si on dit d'aller rechercher, par exemple, l'élément
U22, ben on sait bien que U22, il y en a pas, la situation de U22, elle est où là-dedans? Elle est là. Mais dans U22 contient la valeur 7341. Donc j'extrais la valeur de 7341 du tableau parce qu'on me dit d'aller rechercher le U22. Voilà. Donc en fait, quelque part, j'ai un contenu, comme j'avais un contenu dans la mémoire informatique, mais j'ai aussi un adressage de ce contenu. C'est-à-dire que j'ai une situation où se situe dans le tableau. Exactement où se situe dans le tableau la valeur, une valeur bien déterminée. Voilà. Donc U22 est là. Et vous remarquerez que tout comme j'avais U1, U2, U3, U4, U5, U7, hein, bien sûr, ici j'ai une suite arithmétique de raison 1 pour les indices d'office. Hein, les indices font une suite arithmétique de raison 1. Mais ici, ce sera pareil. Les indices feront une suite arithmétique de raison 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, on va jusque 4, là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tout en maintenant constant, bien sûr, je veux dire, voilà, il va varier ici, c'est quoi qui va varier? C'est l'élément de colonne. Par contre, je maintiens constant l'élément de ligne parce que je reste toujours dans la même ligne. Ici, le 2, il va rester toujours constant parce que je suis toujours à la ligne 2. Par contre, ici, j'ai une suite arithmétique de raison 2, 1, 2, 3, 4. Et là, pour le troisième ici, mais je maintiens constant la ligne 3 et j'ai 1, 2, 3, 4 raisons arithmétiques de raison 1. Par contre, si je regardais comme ça, qu'est-ce qui va varier? Vous comprendrez que c'est la ligne. Ici, je maintiens constant la colonne 1, 1, 1, là, 2, 2, 2, là, 3, 3, 3, là, 4, 4, 4. Par contre, ici, j'évolue par une suite arithmétique de raison 1, c'est-à-dire 1, 2, 3 au niveau de l'indice. 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 Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un tableau. Voilà, un tableau rectangulaire, parce que c'est la meilleure écriture possible et imaginable que l'on peut faire quand on écrit des valeurs, parce qu'on joue avec des valeurs, parce qu'on est en mathématiques, alors qu'en informatique ou autre, on peut écrire ce qu'on veut dedans. Des dessins, on peut faire des dessins dans un tableau, on peut écrire des lettres dans un tableau qui ne représentent pas des nombres, A, B, C, D, peu importe, et on peut faire ce qu'on veut, parce qu'on a des écritures spécifiques, telles que des écritures, même, voilà, des inventions, quoi, n'importe quoi. Voilà, dans un tableau qui n'est pas mathématique, on pourra faire des gribouillis dans chacune de ces cellules. Voilà, ceci étant dit, alors, donc on comprendra que si j'appelle par exemple ceci, 2472, qui est le contenu, supposons que le contenu est représenté dans U11. Donc, dans U11, contient un contenu. Voilà, il contenait 2472. U21 contient moins 4 tiers. Ça veut dire que U21 vaut moins 4 tiers. C'est comme ici, l'indice il vaut 1, mais U1 vaut 5. Le contenu à l'indice 1 vaut 5. Le contenu à l'indice 2 vaut 7. Le contenu à l'indice 3 vaut 7. Le contenu à l'indice 4 vaut 9. Il vaut 9 ici. Il vaut 9. Autant dire que le contenu U4 vaut 9, le contenu U3 vaut 7, le contenu U2 vaut 7 et le contenu. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le contenu U11 valait le nombre que j'avais là. Le contenu U21 valait le nombre que j'avais là. Le contenu U31 vaut le nombre moins 25e. Le contenu moins 4500 est dans U12. Voilà. Donc, autant dire que si le contenu est dans U12, on peut dire que U12 est un contenant. U12 est un contenant. U31 est un contenant contenant un contenu qui est la valeur. Par exemple, si U13 est un contenant contenant le contenu racine de 2. U23 est un contenant contenant racine 3 sur 2, 3 racine 2 sur 4. U33 est un contenant contenant le contenu moins 18. Moins 18. U14 est un contenant contenant le contenu cosinus pi. Et U24 est un contenant contenant le contenu qui est une variable x et x appartenant à R. U34 est un contenant contenant le contenu lambda, et lambda appartenant, si vous voulez, au nombre complexe ici. Bon, donc, voilà. Je peux écrire ceci. Donc ici, j'ai un ensemble de contenants où les contenus sont dans le contenant U11, U21, U23, voilà. Voilà. Je peux écrire ceci, si vous voulez. Bon, ceci ne m'intéresse plus, hein, parce que, bon, on sait bien quoi. On a adopté l'écriture non pas linéaire comme ceci, mais une écriture plutôt rectangulaire. Bon. Linéaire, c'est-à-dire sous forme d'une ligne. Hein. Voilà. Donc, ici, c'est des lignes, oui, mais
quand on n'a plus de place, on écrit en dessous et on les dispose de manière à ce qu'ils soient alignés. Bon, voilà. Et là, je viens de créer, si vous voulez, un tableau. Un tableau. Si maintenant je les dispose bien alignés au niveau des lignes et des colonnes, ben, je peux retirer ces fameuses lignes. Hein, pourquoi pas? Elles ne m'intéressent plus, ces lignes. Voilà. Ces lignes-là ne m'intéressent plus. Parce que j'aligne moi-même correctement. Si maintenant je ne sais pas aligner correctement, je remets ces lignes-là, il n'y a pas de problème. Hein. Hein, si je ne sais pas, ben, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? La partie haute, généralement, on la coupe, on la casse. On s'en fout de la partie haute et la partie basse. Par contre, on dit qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Hein. Je vais casser ici le tableau. Voilà. Ici, je vais le casser ici. Je le casse là. Je vais le casser ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai cassé? J'ai cassé ici, là. Et j'ai cassé ici. Et j'ai retiré, bien sûr, les. Voilà. Ceci, j'ai retiré ceci. Mais je peux le rajouter, il n'y a pas de problème. Pour aligner, pour avoir un bon alignement, rien de tel que je peux mettre ceci, il n'y a pas de problème. Mais généralement, je ne garde que ceci. Pour dire que mon tableau, mon tableau est ceci. Je ne dessine pas tout le tableau en dessinant un rectangle. Donc, ici, j'ai utilisé un crochet. Un crochet. J'ai utilisé un espèce de. Ça ressemble à un crochet. Un crochet. Comme ceci, ça ressemble à un crochet, qui est une partie, qui est un tableau rectangulaire on a cassé ici. Bon, maintenant, les mathématiciens aiment bien, je veux dire, de compliquer les choses. Et en fait, du crochet, ils vont plutôt vouloir le remplacer par. Ils se disent, bon, c'est un crochet, ça ressemble à un crochet, comme on a dans. Voilà, en français, on a les crochets, les accolades et les parenthèses. Ben, ici, certains voudront remplacer le crochet par une parenthèse. Fin du tableau. Et du début du tableau. Voilà. Fin du tableau. Voilà. Et moi, j'ai opté pour voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle quand on associe avec des éléments contenus dans une disposition bien sûr, bien alignée au niveau ligne des colonnes, hein, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne savez pas aligner, mettez les lignes et les colonnes en pointillés ici, comme vous faites là, pour bien les aligner. Voilà, le tout, c'est pas avoir des éléments quinconces et on s'y perd dans le tableau. C'est un tableau ordonné, si vous voulez. C'est un tableau ordonné en ligne et en colonne. Voilà. Voilà, c'est juste une matrice. Bon, maintenant. Comment on écrit tout une matrice? Bon, une matrice, voilà, ici je vais vous faire. Je viens de créer ici un tableau, si vous voulez, qu'on appelle une matrice composée d'un contenu à des endroits bien précis, et dont le tableau est disposé en ligne colonne. Donc voilà. Et ça, quand on a une matrice, un tableau de nombres comme ça, c'est ce qu'on appelle une matrice, qui est un tableau de nombres, tout simplement. Bon, ici, j'ai numéroté les lignes. Les lignes ici sont numérotées de. Les colonnes. Si je dis les colonnes, les numéros des colonnes sont numérotés ici de 1 à 4. Voilà. Ça, c'est la numérotation des colonnes. Voilà. Comment se fixer une numérotation? Mais c'est comme je vous l'ai dit, hein, en ligne colonne. Là, vous avez l'adresse précise, là où il faut poster. Par exemple, si c'est un postier qui devait poster. On a créé ici un endroit bien précis où il faut mettre un élément à une adresse bien précise. Voilà. Donc on le fait comment? Donc vous aurez compris qu'on le fait par deux indices. Un qui est l'indice de colonne et l'autre l'indice ligne. Et à partir de là, je sais où situer, je veux dire, une valeur où elle se trouve. Donc le numéro de colonne, ici par exemple, il va varier de 1 à 4. Et le numéro de ligne, ici, je l'ai fait varier de 1 à 3. De 1 à 3. Donc on va de la ligne 1 à la ligne 3 et de la colonne 1 à la colonne 4. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle bien sûr une case. En informatique, ils appellent ça une cellule. Pourquoi pas? Bon, ici on a la case de colonne. On a la case
2, 2, 3, c'est-à-dire ligne 2, colonne 3. Voilà, là, on a la case et ça forme toutes des petites cases. Vous voyez que c'est toutes des petites cases. Hein. Et en informatique, comme je vous dis, si vous avez utilisé le logiciel Excel, Excel, ce sont des. Excel, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement des cellules. Des cellules qui forment un tableau en colonne et en ligne. Comme je vous le rappelle, c'est de l'anglais. Ça provient de l'anglais. C'est un logiciel, je veux dire, fabriqué par des anglophones. Donc, fatalement, ils utilisent des colonnes-lignes et non plus pas la disposition ligne-colonne. Ils parlent plutôt en disposition colonne-ligne plutôt qu'en disposition ligne-colonne. Bon, et que là, vous comprendrez qu'à un moment donné, ben, on retombe sur quoi? Mais on retombe sur des espèces de boîtes. Les cases, c'est comme des espèces de boîtes, des rangements. Voilà, c'est des rangements. C'est des comme une armoire. Une armoire, ben, vous allez chercher dans le tiroir numéro 1, la première rangée du tiroir, ou la seconde rangée du tiroir, vous allez chercher le tiroir numéro 2. Et donc là, dans le tiroir, vous pouvez ranger un contenu. Voilà. Donc ici, on a affaire à un numéro de colonne qui va de 1 à 4, un numéro de ligne qui va, si vous voulez, de 1 à 3. Bon, ben, maintenant, en mathématiques, on aime bien de nommer tout et n'importe quoi. Fatalement, pour s'y retrouver, quand on va rechercher un élément, il faut le dénommer. Hein, allez, je vais rechercher le point A. Allez rechercher le point A pour qu'il soit perpendiculaire à la droite D1. Ben, on comprend qui est le A, qui est D1. Donc, tout élément dans le plan doit être nommé. Hein, tout, 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 tout. Eh bien, il en est de même pour les matrices. Prenez la matrice numéro A, faites une addition avec la matrice B, multipliez par la matrice C. Donc, il faut dénommer les matrices. Et donc, ici, par exemple, la dénomination se fera soit avec des lettres rondes, ça c'est la matrice que j'appelle tableau matriciel matrice A, hein, la matrice A, ou je peux l'appeler matrice B, C, ou peu importe, mais vous pouvez le faire avec des lettres rondes. Des lettres rondes. Bon. Et moi, je vais adopter l'écriture de la parenthèse ici pour les matrices, hein, contrairement à d'autres qui utiliseront les crochets. Bon, et j'utiliserai les lettres rondes pour les matrices, alors que certains utiliseront donc des lettres capitales, majuscules, pour les matrices. Bon, tout dépend, je veux dire, comment je veux dire, la personne qui explique ça commence à définir les choses au départ. Donc, il faut se fixer les lois dès le départ pour commencer à parler de certaines choses en fixant bien sûr des règles dès le départ. Donc moi, pour moi, la règle, c'est de dénommer une matrice par la lettre ronde comme ceci. C'est ce qu'on appelle une lettre ronde. Bon, donc ici, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'on a la case, on a la case ligne 2, colonne 2, avec un contenu qui est le contenu, si vous voulez, le con voilà, on a la case, si vous voulez, U22. Non, on a la case 2-2, si vous voulez. On a la case 2-2 avec un contenant qui est U22. De 2 vaudra une certaine valeur. Mais la case, c'est la case 2, 2. Alors, on a la case 2, 3. Case 2, 4. Case 3, 2. Case 3, 3. Mais le contenu de U3, 3, ben, il vaut peut-être racine 3. Donc le contenu. Contenu. Et donc, comme on a en mathématiques, comme je vous ai dit, on peut remplir chaque case en mettant un élément mathématique. Voilà. Et généralement, on mettra les éléments d'un champ. D'un champ, c'est-à-dire d'un corps commutatif. Corps commutatif, c'est-à-dire ce seront des éléments qui ont une structure, on peut faire certaines règles mathématiques avec, qui ont une structure mathématique où on peut, il y a des règles établies, où on peut faire certaines choses et pas d'autres. Voilà. Bon, ceci étant dit, je vais vous montrer maintenant, voilà, un tableau organisé
voilà, une matrice A contenant, si vous voulez, n lignes, hein, en passant par l'intermédiaire la kème ligne, ça c'est la kème, c'est un intermédiaire, hein, voilà, avant d'arriver à la fin, et contenant n lignes, et si vous voulez, voilà, et m colonnes. Donc c'est une matrice à m lignes et n colonnes, c'est-à-dire qu'il contient combien d'éléments, mais m fois n éléments. Contient, voilà, m fois n éléments. Alors, mn, c'est ce qu'on appelle le genre. Les deux genres, m fois n, bien sûr, sur le champ, sur un champ donné, hein, sur un champ K. Bon, un champ, ça peut être le champ des réels, pourquoi pas. Ben, c'est un exemple. Je prends un exemple. Ce serait, par exemple, des nombres réels que je rentre dedans. Le champ K, bien sûr, ce serait le champ des réels. Bien sûr, je répète, c'est un corps commutatif avec des règles. Hein. Alors, les réels, on sait bien qu'on s'est additionné, il y a un neutre, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, mais on sait faire beaucoup de choses avec les réels, au niveau de des structures. Voilà, donc ici, c'est un champ. Ça représente des nombres qui appartiennent à un champ bien précis, par exemple le champ des réels, par exemple. Donc ce serait tous des nombres réels, pourquoi pas. Donc ici, il y aurait combien d'éléments? Ben, m fois n. Donc la matrice est de genre m fois n. C'est une matrice A et de genre m fois n. Bon, maintenant, si m égale n, on a ce qu'on appelle une matrice carrée. Donc, on dira, si c'est une matrice carrée, on dira que c'est une matrice d'ordre n. Bon, ceci, on peut écrire aussi que c'est comme si c'était un champ. Ici, c'est un champ K. Bon, si c'est le réel, j'écrirai R m fois n. Il est d'ordre m fois n. Voilà, ici, il est d'ordre m fois n parce qu'il y a m fois n éléments. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a combien de réels? Mais il y aura combien de nombres réels? Mais m fois n. Maintenant, si c'est un autre champ que le champ des réels, mais je dirais que c'est k m fois n. Donc là, on aura des éléments. Bon, comme je vous disais, il n'y a pas de dessin dedans. Hein. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de dessin. Donc ça provient des éléments que je mets dans un tableau matriciel mathématique. C'est des éléments mathématiques, c'est-à-dire provenant d'un champ K. Et il sera, on dira que on aura combien d'éléments? Ben, m fois n. Et donc on aura, je dirais, il sera du genre m fois n. Voilà. Donc ici, on a l'ensemble des matrices carrées de genre m fois n sur le champ, si vous voulez, sur le champ K. Et comme je vous ai dit, si m égale n, à ce moment-là, on a n fois n, puisque m égale n, ou m fois m. Là, j'ai mis n fois n. Là, l'ordre, c'est un ordre K. On a une matrice qu'on appelle une matrice carrée. Bon, ici, c'est une matrice rectangulaire, hein. Là, j'ai mis une matrice carrée. Donc, quand elle est matrice carrée, on dit que c'est d'ordre n. Voilà. Voilà, en fait, c'est un petit peu tout ce qu'il faut dire pour, si vous voulez, définir ce que c'est qu'une matrice de nombres. Bon, il y a une structure là-dessus aussi. Bon, je ne suis pas la structure, hein, je n'ai pas encore montré ce que c'est qu'une structure d'un champ, je n'ai pas encore montré la structure des matriciels. Pour l'instant, je veux dire, j'extrais, bon, toutes ces définitions dans un premier temps. Faire des petits calculs dans un premier temps et puis dans un second temps définir certaines choses par rapport au calcul à chaque fois que je verrai des petits calculs au niveau matriciel. Voilà. Parce que ça demande une certaine théorie pour voir ce que c'est qu'un champ, ce que c'est que voilà, les structures des matrices, etc. Tralala, tralala. Voilà. Et donc, ça se fera en son temps. Donc, prenez en compte qu'une matrice, c'est juste un tableau de nombres avec bon, le genre, c'est tout simplement le genre de la matrice qui est voilà, nombre de lignes, nombre de colonnes, et qu'on peut mettre dans ce tableau autant de valeurs égales au nombre de lignes, nombre de colonnes, c'est-à-dire m fois n éléments qu'on peut mettre dans le tableau. Donc attention qu'ici, je peux mettre ça dans un ensemble.
si je mettais ça dans un ensemble, voilà, ici j'ai k m fois n, voilà, k m fois n, j'aurais par exemple alpha 1 1, alpha 1 2, alpha 1 3, voilà, etc. jusque alpha m n. Donc, si j'écris ceci, qu'est-ce que ça veut dire, ceci? Ben ça veut dire que j'ai une matrice. Hein. J'ai une matrice, voilà, d'ordre m fois n. M fois n, donc j'ai n éléments où les contenus, c'est alpha 1, 1, alpha 1, 2, alpha 1, 3. Bon, alpha 1, 3 se situe bien sûr à la case 1, 3. C'est-à-dire à la première ligne, la troisième colonne. Voilà, donc écrire ça et ça, c'est la même chose, mais ça c'est plus structuré. C'est structuré, si vous voulez. Contrairement à ceci, là il n'y a pas de. Enfin, quand je dis structure, ce n'est pas structure algébrique, ça n'a rien à voir avec ça. C'est dans le sens, moi, structuré, dans le sens bien disposé. Là, il n'y a rien qui est disposé, c'est un peu n'importe comment, on s'est mis n'importe comment. Par contre, là, il est disposé, je veux dire, d'une manière telle que bon, on peut aller rechercher facilement voilà, les valeurs qui sont reprises dans le tableau. Si on me dit va chercher l'élément 3,2, ben l'élément 3,2, boum, je l'ai là. Vous voyez, je l'ai là. C'est pas que je vais commencer à chercher l'élément 3,2 pendant 1 heure et faire tous les éléments pour essayer de trouver en ayant peut-être la chance de le retrouver tout de suite. Sinon, je le retrouve. Si je ne l'ai pas tout de suite, je risque de le trouver à la fin et ça risque de prendre du temps si le tableau est énorme. Voilà, parce que c'est un petit tableau. Il existe des grands tableaux avec des milliers de valeurs. Voilà, et donc commence à chercher là-dessus. Bien sûr, vous comprendrez que les logiciels traitent ça facilement par les recherches. Hein. Vous allez rechercher la case, bien sûr, sur Excel. Bien sûr, donc je parle en colonne mythe parce que c'est sur Excel. Vous allez chercher la case 3, la case 3, ligne 1000. Bon, fatalement, vous tapez case ligne 3000, 3, les cases, colonne 3, ligne 1000. Vous tapez l'élément là. Sur le côté gauche, je crois que c'est sur le côté gauche. Fatalement, la cellule, il va aller directement se noircir au niveau de la cellule recherchée. Vous l'aurez tout de suite en un temps de mouvement. Fatalement, c'est l'informatique. L'informatique, c'est de l'électronique, donc ça va très vite. Hein. Contrairement à une recherche manuelle, 3000, il y a moyen de rechercher, mais il faut parcourir tout un bordereau si c'est sous forme d'un bordereau d'encodage ou. Voilà, donc avant il travaillait avec des bordereaux d'encollage, il fallait chercher manuellement. Maintenant avec l'informatique, on retrouve tout de suite les éléments. Donc là, il y a une prouesse technique qui a été faite qui a fait que bon, le temps, je ne veux pas dire que le temps se réduit, c'est pas ça, ça n'a rien à voir, parce que un temps ne se réduit pas, il est toujours le même. Par contre, les opérations se déroulant à l'intérieur de ce même temps, mais on peut faire plus d'opérations à l'intérieur d'une quantité de temps définie. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, quand on dit on peut aller plus vite, ça veut dire que les opérations peuvent se faire plus vite. C'est pas que le temps se raccourcit, loin de là. Le temps, il est toujours quantifié de la même manière pour ce que les humains en ont défini. Voilà, le temps, l'unité de temps, qui est toujours la même. Voilà, donc en fait, aller chercher au niveau informatique des informations contenues dans un tableau, c'est assez simple et aisé, puisque en fait l'informatique permet ces recherches, je veux dire sur Excel, par exemple, qui est un tableur, hein, tableau, hein, calcul tabulaire, voilà, tout ça, ça a à voir avec les tableaux. Et les tableaux, généralement, on utilise beaucoup, on utilise énormément les tableaux, hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, je veux dire, les tableaux, en fait, les tableaux, quand on a beaucoup de valeurs, rien de tel que de mettre les valeurs dans un tableau et de pouvoir faire des calculs, par exemple, faire des calculs. Voilà. Par exemple, dans les systèmes linéaires d'équations, ben, rien de tel que de taper ça sous forme de. Voilà, on a une répétition de colonnes et de lignes. Pourquoi? Parce qu'on aurait trois équations, par exemple, trois équations avec voilà, les alpha x, les bêta y et, par exemple, terme indépendant, gamma. Voilà, donc ici j'aurai trois colonnes pour alpha x plus bêta y plus gamma. Voilà. Pour une équation ax plus by plus c égale 0, ax plus by plus c prendrait trois colonnes. Et si maintenant j'ai deux équations, eh bien j'aurai deux lignes. Voilà, donc voilà. Mais maintenant, si j'ai un système
de cinq équations, une, deux, à cinq inconnues par exemple, j'aurai AX1 plus BX2 plus CX3 plus CX4. Ouais, CX4, ouais, c'est ça que j'ai dit. Ouais, CX4 plus D, qui est le terme indépendant. Donc j'aurai X1, le coefficient en X1, coefficient en X2, coefficient en X3, coefficient en X4, et le terme indépendant. Voilà. Et là, il me faudrait, si vous voulez, 4 équations, parce que j'aurai x1, x2, x3, x4, c'est 4 inconnus. Donc il me faut 4 équations. J'aurai L1, L2, L3, L4. Vous voyez, j'aurai tout ça. Tout ceci, j'aurai tout ça. Voilà. Avec k qui vaut 4, hein, bien sûr. J'aurai alpha 1, 1, alpha 1, 2, alpha 1, 3, alpha 1, 4. Et alpha 1, 5, parce qu'il y a le terme indépendant. Voilà, il y a le terme indépendant. Voilà, j'aurai alpha 2, 1, alpha 2, 2, alpha 3, 2, 3, alpha 2, 4, alpha 2, 5. Alpha 3, 1, alpha 3, 2, alpha 3, 3, alpha 3, 4, alpha 3, 5. Et une quatrième équation qui est alpha 4, 1, alpha 4, 2, alpha 4, 3, alpha 4, 4, alpha 4, 5 qui est le terme indépendant. Donc 4 équations à 4 inconnues, x1, x2, x3, x4, 4 équations à 4 inconnues. Et voilà, avec un terme indépendant. Voilà. Qu'il faudrait situer dans une colonne bien précise. Voilà, et ça, les déterminants, vous voyez, qui seront fort utilisés, par exemple, dans les systèmes d'équations. Dans les systèmes d'équations, on pourra résoudre les systèmes d'équations en passant par les systèmes matriciels. Voilà. Donc, vous voyez que ça a une utilité fondamentale dans la résolution des systèmes d'équations linéaires, bien sûr, hein. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.